Jérôme Gendreau ici en compagnie de Guy Napper-Frenette. Salut Guy, comment ça va? Ça va bien vous? Oui, oui, ça va très bien. De retour, tu peux me tutoyer Guy. De retour donc pour la 34e édition cette fois là, du Tour de Beauce. Et là, la pluie qui vient de commencer. On verra bien si demain, pendant la deuxième étape, nous aurons droit à du mouillé. On l'espère que non. La pluie maintenant, mais ce fut une belle journée aujourd'hui pour cette première étape présentée par Desjardins lors de cette 34e édition du Tour de Beauce. On a eu une première étape classique aujourd'hui autour de Beauce. Des belles attaques, des belles contre-attaques. Vraiment une course classique, traditionnelle qui en vaut le Tour de Beauce. So first stage, the start was given at the Rocky Mountain facility in Saint-Georges, and we were off for 177 k's. Absolutely, a traditional stage one for the Tour de Beauce. Very challenging road, fast speeds right away, lots of attacks right from the get-go. It was a beautiful race. We had a small three-man breakaway who took off for the majority of the race, was later joined by another three riders to form the break of the day, really. And within that break is Bruno Langlois, a Quebec cyclist. Eh oui, alors on parle de Bruno Langlois qui s'est joint, en fait, qui s'est joint au Tour de Beauce à la dernière minute cette année. Guy, vraiment, donc, c'était inattendu. Bruno qui avait pris part l'année dernière, et on l'avait souligné de belle façon, là, à son 20e Tour de Beauce. C'est là, cette année, finalement, qu'il revient à la dernière minute pour une 21e fois. Absolument. Bruno qui a reçu l'appel hier à 9h30 en soirée, après le gala d'ouverture, recevant une invitation de l'équipe de Brunei Continental qui... Malheureusement pour eux, ont eu des contraintes de voyage. Donc Bruno, qui est à une heure d'ici, a décidé pourquoi pas faire un 21e Tour de Beauce. Et il n'allait pas en rester là, Bruno, qui a pris part, comme tu le disais tout à l'heure, pour la majorité de l'épreuve d'aujourd'hui, là, à l'échappée, qui finalement a tenu bon jusqu'à la fin. Donc Bruno, qui est arrivé ici avec peu de préparation physique, il est propriétaire d'une business de coaching à Québec en cyclisme, donc... Évidemment, il était un peu habitué à ce genre de performance-là. Il travaille beaucoup avec des athlètes, mais avec aucune préparation physique pour un événement d'endurance comme le Tour de Beauce, c'est tout à fait spectaculaire ce que Bruno a fait avec 145 km dans l'échappée pour finir au quatrième rang total. Alors, on l'a vu sur les images, là, et tu l'as dit tout à l'heure, cette échappée qui était une échappée de trois hommes au départ, et éventuellement, là, on a trois coureurs supplémentaires qui se sont ajoutés à cette échappée. Absolument. Je crois que ces trois nouveaux coureurs-là dans l'échappée ont fait beaucoup de bien à l'échappée qui était de trois coureurs initiales. Ça leur a donné six coureurs la chance de travailler ensemble, la chance de développer des stratégies, des techniques pour pouvoir perdurer jusqu'à la fin. Et c'est ce qui est arrivé à 10 km de la fin. Deux des six ont sauté, laissant quatre coureurs jusqu'à la ligne d'arrivée. Okay, so at the beginning of the break, we had a Mexican rider. Can you pronounce his name again? Prado. Ignacio Prado. There with also Adam Jimison and Bruno Langlois, and then we had Ty Magner and Zukoski that we see right here at the finish line. Who were among the late break, if we want to say, and they were both contesting for the line. Absolutely, great opportunity for Zukoski and Ty Magner of Rally UHC Cycling to join that late break and make it to the finish. Rally UHC Cycling and Floyd's Pro Cycling were two of the top teams here. We expected them to do well on this first stage. We expected them to be the ones marked for this race. The other strong team is Team Canada here with the reigning champion James Piccoli. Zukoski, Adam Jamieson was part of that break and managed to win all the KOMs, so he's going to be racing with the polka dot jersey tomorrow for stage two. Alors, on parlait de Zukoski qui a remporté le classement général à Saguenay la semaine dernière. Donc, il nous a prouvé là, qu'il avait encore des jambes
pour finalement la semaine du Tour de Beauce. Et donc, comme tu le disais, nous verrons également ce que James Piccoli pourra nous prouver dans les semaines à venir avec la formation canadienne. Et donc, oui, aussi le rallye là, qui sera à surveiller. Donc, demain, étape reine du Tour de Beauce et on verra dans quel type de météo tout ça sera présenté, Guy. Donc, absolument, une étape de 169 km avec 5 lignes du Grand Prix de la Montagne. Il va y avoir beaucoup d'action encore demain. Si on regarde au classement général, nos quatre meilleurs aujourd'hui ont 1 minute 15 environ d'avance sur le reste du peloton. Donc, demain, ça va être la course pour ces quatre-là, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour fortifier leur place au classement général. Parmi ces quatre, par contre, il faudra voir ce que Bruno Langlois pourra faire encore parce que, bon, on s'entend là, qu'il n'y a plus que quatre coureurs, finalement, de la formation Brunei qui prendront le départ demain matin. Donc, ce sera difficile pour Bruno. Mais donc, c'est à suivre, Bruno, quand même, qui ne manque pas de surprises dans son sac. So thank you very much for joining us on this first stage recap of the 34th edition of Tour de Beauce here in Saint-Georges, Quebec. A beautiful cycling race, the most important stage event in Canada. So welcome and we'll see you tomorrow night after Mégantic for a recap of stage two. Merci Guy. De rien.